rencontrer ce matin. C'est pratiquement la première sortie que j'effectue avant l'investiture, bien évidemment. Et ce n'est pas un hasard si j'ai accepté très volontiers de venir participer à cette réunion que vous teniez depuis hier. Le secteur du tourisme est un secteur important pour le développement du pays, pour le développement économique de Madagascar. Et ce n'est pas seulement pour le développement économique, mais pour le développement tout court, social, lutte contre la pauvreté. Et je pense que c'est très important d'y apporter une attention particulière. J'avais un objectif particulier que j'avais déjà annoncé il y a quelques mois pour le secteur du tourisme à Madagascar. C'est d'accroître de 50% le nombre de touristes qui viennent à Madagascar pour les 18 mois à venir et arriver à un chiffre de 1 million de touristes dans 5 ans. C'est un objectif ambitieux, diront les uns. Réalistes diront les autres, mais je dis, ce sont des objectifs très pragmatiques que nous pouvons atteindre avec un tout petit peu de volonté. Moi, je voudrais vous rassurer aujourd'hui, ma volonté de développer et d'apporter tout ce qui est nécessaire à ce secteur du tourisme à Madagascar. Nous allons appuyer ce secteur au niveau de la dimension marketing sur les marchés des principaux émetteurs. Je pense que c'est assez important. Il faut un peu plus de dynamisme sur ce plan marketing. Vous êtes très sensible, et le tourisme international est très sensible à l'aspect sécuritaire. Et je peux vous dire que dans les jours qui viennent, je souhaiterais prendre des mesures immédiates pour que revienne la sécurité dans les zones touristiques et principalement pour commencer la semaine prochaine à Nusibé. Je souhaiterais donner un signal fort à vous-même, aux touristes venant du monde entier, pour les rassurer que Madagascar n'est pas moins sécuritaire que d'autres pays dans ce monde. Nous allons nous battre pour défendre notre place. Et c'est pourquoi j'insiste sur l'aspect marketing et sur l'aspect communication. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va tenir une réunion, tout au moins des réunions, ici ou à Nusibé, pour voir les dispositifs qui s'imposent pour que la sécurité ne soit plus un vain mot dans ces zones touristiques. J'y tiens et je suis convaincu que ce qu'on va mettre en place à Nusibé sera un modèle pilote qu'on pourrait mettre en place dans les zones touristiques de Madagascar. Il faut que nous éduquions la population. L'affaire du tourisme n'est pas notre seule affaire de professionnels. Il faut que nous éduquions la population. Il faut que cette population participe à cet aspect sécuritaire et cet aspect du développement du tourisme à Madagascar. Parce que le tourisme, c'est l'environnement. Maintien de l'environnement, développement de l'environnement, préservation de cet environnement. Parce que le tourisme, c'est la culture. C'est la culture malgache qui doit être mise en valeur. Le tourisme, c'est l'artisanat. Etc., etc. Donc le tourisme, c'est un secteur qui transcende bien d'autres secteurs qui seraient aussi à développer. Je m'engage aussi à lutter
mais avec vous, pour que le secteur informel ne prenne pas la place des vrais professionnels dans ce secteur. Nous allons prendre les dispositions nécessaires dans ce cadre, mais en plus, nous allons mettre en place les mesures incitatives qui permettront au secteur du tourisme, avec tous les protagonistes du secteur du tourisme, de se développer. Vous avez émis des souhaits que j'ai bien reçus dans le cadre de vos résolutions d'hier sur les appuis financiers pour relancer sur les 3 mois. Je les ai bien notés et nous allons en rediscuter et en reparler. Vous avez fait des propositions sur la perception d'une redevance. Nous allons étudier la possibilité de mettre en place ou trouver tout au moins des mesures alternatives. Vous avez parlé de la sécurité à Nocibé, donc j'en avais parlé tout à l'heure. Je pense que tout ce que vous avez discuté rentre dans le cadre de ce qu'on souhaiterait mettre en place pour le développement du secteur du tourisme. Donc c'est un secteur important, disais-je au départ, c'est un secteur entraînant sur le plan du développement économique, c'est un secteur donc qui mérite toute notre attention. Je l'avais déclaré tout à l'heure, nous sommes prêts à relever ce défi et je vous invite à vous y associer de manière très active à partir de maintenant. Nous avons donc des travaux à faire de manière très urgente dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Nous avons des plans à moyen terme que nous devrons mettre en place, à court terme et moyen terme. Il s'agit de tout ce qui est environnement, tout ce qui est formation professionnelle, qui me semble être très important. Donc la mise en place ou le renforcement des écoles d'application au niveau du tourisme, ce sont des aspects qui me semblent être urgents aujourd'hui. Nous allons trouver les financements nécessaires. Je pense que les bailleurs de fonds sont là. On va les mobiliser. Je leur en ai déjà parlé et je pense que très rapidement, nous allons pouvoir mobiliser les ressources nécessaires pour développer ce secteur. On a besoin de volonté. Ma volonté est là. Le développement du secteur n'attend que votre volonté et je vous remercie déjà de cette volonté que vous avez démontrée aujourd'hui et je pense que demain, nous allons œuvrer ensemble pour le développement de ces pays à travers le tourisme. Je vous remercie. Un dernier petit mot, Monsieur le Président, au nom de l'Assemblée Générale ici présente, nous tenons donc...